Pour déterminer la droite d'ajustement de y en x avec une texas par la méthode des moindres carrés, en liste 1 vous mettez vos valeurs de x, en liste 2 vous mettez vos valeurs de y. Après, vous faites stat, vous avancez, calque, vous descendez jusqu'à 4, reg, lin, ax plus b, entrée, vous faites bien attention d'avoir liste 1, liste 2, en général on l'a, là on met rien, calculer. Et ça vous donne les valeurs, donc 98,20, les valeurs qu'on a trouvées ici, 19, il le ici, et le paramètre R et R au carré, donc le coefficient de détermination et le coefficient de corrélation.